Pas ma tête, monte comme ça, calme comme ça. Eh ben, bonsoir à tous, bienvenue pour cette carrière Venezia du côté de la Serie B. Je vous montrais les matchs qu'on avait joué la semaine dernière, vendredi dernier. On a fait match nul face à Comé un partout, par Palerme 3-2. On va faire le match en retard face à Bari, domicile 6e, et le match face à Regina, domicile 19e, d'accord. Et ça, c'est pour vendredi prochain, ces trois matchs. D'accord? Je vous montrerai. Non, on fera peut-être deux matchs. Prochain épisode, trois matchs. Après, trois matchs. Deux matchs, trois matchs. D'accord? Je vous montre le classement. On est cinquième avec 53 points. Un point d'avance sur eux. Deux points d'avance. Ça fait 2-3 points d'avance sur Comé et sur Parme. D'accord? Le skin, j'ai changé parce que c'est le skin. J'ai mis le skin portugais parce que c'est normal, tu vois. Allez, avancez un peu. C'est pas mal. Le skin, il est pas mal du tout, tu vois. Voilà. Alors, on revient en arrière. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Manager n'est pas en revanche face à Marino. C'est qui Marino? Entraîneur de Paris. Marino, ok. Rapport d'adversaire, ok. Ok. Ouais, c'est pour le joueur de prêté par la Juventus. Alors, les 18 qui ont gagné 2-0. C'est bien, les 18 sont 8e. Ça, c'est un match, il est fait. Ça, c'est combien de matchs? Un match. La tactique, je vous montrer la tactique. J'oublie de faire, je vous dis la tactique, comment jouer une tactique comme ça. Un 4-2-3-1, un 4-2-3 dans les ailes. On va jouer comme ça sur cette tactique-là. On va jouer un 4-2-3-1 dans les 4-2-3 dans les ailes. On tente ça pour le prochain match. Voilà, c'est ça. Attends, on va venir comme ça. Voilà, poste un match nul face à Bari. Ok. Bengtsson qui monte en puissance, il monte en puissance si bien pour l'attaquant islandais. Diego qui aussi monte en puissance si bien pour Diego. Lui qui prend la tête de Regina qu'on jouera contre au prochain match. Vous voyez, le stade c'est pas mal. Alors. Denis Dentsen qui est apte, lui il est apte 46 minutes, toujours blessé notre gardien titulaire. Ah c'est notre match en retard, c'est parti. On peut jouer à la place de Christian, rien de changement, Joël qui va jouer, titulaire. Il me propose des jeux en équilibré qu'en positif. J'ai tenté de jouer en équilibré parce qu'il me propose l'adjoint, il dit ça. Là, je vais rester comme ça. Bon, là on va dire comme ça. Voilà, c'est un peu mieux, tu vois, c'est un peu mieux. Côté coup pied arrêté, on a les coups pieds arrêtés. Je vous montre un peu les contres cette équipe, enfin les contres cette équipe, hein, parce qu'on est chez nous les mecs, on a un match en retard contre eux parce qu'il y avait un problème d'inondation pour ce club, une inondation dans le stade. Je vous montrais un truc, les coups pieds arrêtés. Alors, les coups pieds arrêtés, on les a les coups pieds arrêtés, c'est ça qu'il faut faire. M'a expliqué quelqu'un. Il faut faire comme ça, premier poteau, second poteau, bah c'est pas mal ça. Je crois que je vais rien toucher, j'ai rien touché pour l'instant, je vais rien toucher là, ça veut dire que le. La combinaison elle est pas mal, elle est bonne. Ça veut dire qu'on reste comme ça. C'est parti, on y va pour le premier match. Ah, Joël qui passe 100%. Joël qui peut jouer. Joël, il peut jouer, Joël. Ouais, mais on le sortira à la 8e parce que Joël, pour remplacer Joël, il y a qui peut remplacer Joël? Il y a Marco Oliveira ou Christian qui va être titulaire. Il est pas 100% notre Joël qui fera sortir à la 8e parce qu'il revient de. Le mec est fatigué. Ah ouais, donc, bah allez, on y va, c'est parti. On va faire ça. On va juste répondre aux questions. On va juste dire. Nous sommes à domicile, les gars. On a les points serrés, comme d'habitude. Ok. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on n'entend pas le son, les gars. On a juste baissé le son du jeu parce que le jeu est complètement fort. On l'a baissé parce qu'il était à 1. Là, j'ai mis à 5. Il était à 5, mais j'ai baissé à 1. C'est un peu mieux, tu vois, c'est un peu mieux comme ça. Alors là, on m'entend pas, on m'entend là. Et juste derrière nous, Paris sont 52, on a 53 points. On est ici. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça va, ça va. C'est parti, on y va. Premier match. Je sais pas ça que je voulais faire, c'est demander. Attendez, juste monter le son du jeu. Attendez, juste monter le son. C'est pas ça que je voulais faire. Putain. Attends. Réglage. Bah, il faut que. Je crois que je vais toucher ça. Attends, on va tenter un truc.
Demander plus, je peux demander plus. Hein. Je peux demander plus. Mais merde, c'est pas ça que je voulais faire. Oh. Allez, demandez plus, c'est parti, j'ai demandé. Allez, c'est parti pour le match. Allez, pour la touche pour nous, pour l'instant, je joue bien pour cette équipe. Allez, on ressent ça. Il est fatigué, je vais sortir à la mi-temps parce qu'il a 5 buts sur 4, donc il joue un peu pour le mi-temps de jeu pour faire un peu de Christian ou Marco Oliveira qui va être en 3 prochain match. À la mi-temps. Ça c'est juste parce qu'on a un film B, parce qu'on a un 4-2-3, parce qu'on a jamais de tactique sur la tactique de l'Isère, c'est pas mal du tout, mais on fait une tactique sur la première place. Mon joueur Joël qui vient fatigué, on sortira à la 47e minute, à 45e on sortira parce qu'il y a plus de blessures, il est plus fatigué. Fort. On verra si j'arrive à régler le son, mais le son, on peut juste après le match face à Regina, on verra le son face à Regina. On va finir avec ce match-là, on fera le réglage de son. Allez,
un peu blessé, pour eux, un peu blessé. Bizarre. Ouais. Pour ça tient. Pour l'instant, c'est toujours 0-0 pour cette première mi-temps. Ah, c'est rendu, mon gars, c'est rendu, putain. Mathéo, t'as rien pu aussi bien. Ah, c'est pas déjà bien ça. Allez, franchement, pour l'instant, ça tient. Ah putain, on peut se rendre le ballon à l'adversaire, c'est quoi ce ballon perdu, mon gars? Bien le top, c'est pas suffisant, mon gars, c'est pas suffisant. La faute, penalty. Vous voyez qu'il y a penalty, bien sûr qu'il y a penalty là. Il y a penalty là. Mais oui, penalty, bien sûr qu'il y a penalty, bien sûr. Penalty là. Les stats de cette première mi-temps, pour l'instant je vais trouver les stats. On a des 5 tirs pour nous, 5 cadrés, rien du tout. Un spété goal, alors 1.12 spété goal, bien sûr. 40 positions, 4 corners, une fois 80 passes. Nous avons 1 cadré, 0 cadré, 1 tir pardon, 1.18 DJ. C'est des positions, 1 corner, 4 fois 90 passes. Okay. Bon les amis, je vais juste baisser, je vais monter pour le son du jeu parce que après on vient investir, on ne peut pas. Attendez, je vais juste cliquer sur le joueur, je vais revenir sur le joueur les gars, je vais juste investir. Je vais aller dans. Je vais tenter un truc, attends, je vais revenir dans le joueur. Faut pas cliquer sur le joueur là. Attends, je vais cliquer sur le joueur. Attends. Les amis, je vais peut-être baisser le son du jeu, je vais peut-être monter, je vais peut-être le volume monter à. Je vais monter à 2. Peut-être le volume je le mets à 2 parce que là on m'attend le joueur.
3 si tu veux, 3. Ça parce qu'on voyait le 1 c'est pas assez fort peut-être mettre à 3 parce que en fait à 3 c'est pas mal du tout, peut-être à 3 c'est pas mal, si tu mets à 4 ou à 5 c'est très fort, tu mets à 3 c'est moyen, pas mal parce que tu sais que par exemple voilà on dirait que ma cave elle marche. Parler là, c'est fou ça. Excusez-moi. Ah, parce qu'on m'entend deux fois parler, on m'entend trois fois, d'accord. Ça m'entend parler. Attends, je vais juste baisser le son. Attendez, je vais juste. Attends, sortie. Attendez. Alors, sortie, attendez, je vais faire entrer. Ah, je suis entré là. Ah, ouais. Ah, d'accord, c'est ça. Casque Raiden. Entrée, c'est bon. Peut-être mettre sortie dans le micro, hein. Ah, c'est mieux comme ça, je crois que je vais mettre comme ça. Ah ben voilà, c'est mieux comme ça, on m'entend parler, parfait, c'est bon. M'attendez là. Ah, mettre en bas, ah, c'est mieux en bas, voilà. Ok, parfait, on m'entend parler, parfait, je m'entends deux fois parler, c'est pour ça. Voilà. Faut que je lève bureau, attends. Vous voyez le son, ah, attends, on va voir, hein. On m'entend deux fois parler là. Attends, sortie. Ah, bah attends, faut parler. Je trouve qu'il faut couper ça. Attends. Ah, faut baisser le son. Ah, d'accord. Je vais baisser. Ah, on m'entend deux fois, merde. Ah, faut couper ça. Voilà, j'ai coupé le son. Parfait. Est-ce que vous m'entendez parler là? On m'entend? Attends, je crois que vous pouvez régler un truc. Merde, je suis pas là. Oh. Attends. Ah, attends, je règle un truc. Là, je peux pas. Vertical. Attendez les amis, juste régler un truc. Non, attends, je vais mettre comme ça. Attends. Attends. Bon là, on entend. Voilà, peut-être le son il est fort. Je vais peut-être le baisser un peu. Là, on m'entend pas parler. On m'entend là. Attends. Ah, c'est mieux. Oh putain. Attends, on va juste comme ça, non? Bah ben c'est bon là, bah, pourquoi mon son il est comme ça? Bah, c'est bon, on m'entend parler parce qu'on m'entend deux fois parler, alors ça veut dire audio bureau c'est l'ordi, c'est ça. Et l'ordi bureau sortie c'est... C'est... Ça c'est le micro, ça c'est le casque. Peut-être mettre comme ça. Hein. Ouais c'est mettre comme ça je crois. Voilà. Bon désolé, je vais tenter un truc, on y va, match, on va faire le match. Hein. Parti. Alors, on va faire quoi? Attends, on va juste faire les coins du doigt. On va dire ça, bah, ils sont pas sûrs. On va faire ça. Point du doigt, les points serrés. Ok, super. Allez, c'est bon. Ok, allez, c'est parti. Ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah parfait, c'est bon. Non, on va rien dire pour l'instant, on va rien dire. Allez, c'est parti, on y va. Ah, quel okay, retour. Ah, dommage. Désolé pour le micro, on m'entend parler, mais attends, je vais pas faire de changement. C'est pas ça. Ah, c'est bon, on m'entend. Allez, au moins une touche pour. Ben, pour l'instant, ça tient 0-0. Ben, excusez-moi pour le problème technique, j'avais un problème de son. On m'attendait pas bien le son du jeu. On m'attendait deux fois parler, trois fois parler, et j'ai réglé un truc. Bonjour de Christian, c'est bien. Ah putain, en plus sur le ballon, c'est pas possible, on perd beaucoup de ballons. Hors-jeu, ça va, il y avait hors-jeu pour. Il y avait hors-jeu, ok, il y avait une position de hors-jeu, tout va bien. Allez. Allez, moi un coup franc. Là, oh la frappe de. Là, c'était hors-jeu, ok, il y avait hors-jeu, ok, il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu, ok. Il y avait hors-jeu. Bien, c'est bien défendu. Ah, c'est le premier épisode, c'est quand on parle bien, le son était fort, c'est pour ça que le son était bon, mais on attend trois fois parler. Ça, c'est pas ballon. Allez, on t'entendait, vas-y. Vas-y.
Vas-y, le centre. La... Oh là là, la frappe sur la barre. De Lokman sur la barre. C'est contré, corner. T'as la frappe sur la barre de Lokman qui a failli marquer. Notre intérieur à la gauche, qui a failli marquer le 1-0. Ce sera sur la barre. Corner, c'est dégagé. Ah, ce sera. Ouais, ce sera un corner, non? Non, c'est récupéré. Ah, je crois. Ah, ça sort. Ah, ça s'est sorti. Ce sera une touche pour nous. Allez, touche pour nous. Bah, pour l'instant, c'est un 0-0. Notre match à retard, mais c'est normal. Hein. Match à retard, c'est normal. Peut-être enlever le truc sorti, peut-être garder le micro sorti, parce que le micro entre le casque que j'ai mis, c'est pas mal. Ça, c'est bien joué. Le centre. Ah, et penalty, là. Il a pas sifflé. Il y a penalty. Il a pas sifflé, le mec. Vas-y, le centre. Ah, c'est dégagé. Putain. Allez, vas-y, le centre. Oh là là, c'est dégagé. Portée de arrêt, ce serait un corner. Ah ouais, mais on joue bien l'attaque, nous. On joue l'attaque, on joue les dans les ailes, les gars. Je jure. Hein. Allez, le corner, c'est dégagé. Vas-y, allez. Il a péché, il a pas sifflé. Mais pourquoi il frappe comme ça, lui, oh? Putain, il frappe à côté de Lukman. Putain. Attends, je vais faire des changements. On est à 0-0 toujours. Je fais les changements là. Bon, il y a tous les changements. Alors, qui va sortir là? Réfléchir. Bon, Nico Petri, on va faire entrer Tchirichev. Ebretson. Toi, tu rentres. L'américain Botsu, on fait rentrer. Voilà, toi tu rentres au milieu de terrain. Ensuite, lui déjà averti, on va sortir lui puisqu'il a déjà pris un carton. On va faire rentrer. Voilà, toi, je vais faire rentrer un tout nous, on va rentrer côté gauche, à droite. Allez, c'est parti, on va faire tous les changements effectués. Ah, ça marche pas alors. J'arrive pas à confirmer. Attends, confirmer. Allez, let's go, confirmer. C'est parti. Le centre, de toute façon, ah, c'est Valaco qui carte le danger. Ce sera un corner. Ouais, mais c'est normal. Le corner, c'est dégagé. La frappe de Cesare dans les bras de Matteo. Qui est dans les buts parce qu'on rappelle l'autre, il est grippé encore. Mais c'est normal. Ah, bien épée par Johan, il n'y a pas faute. Hein. La frappe au-dessus. Début de Matteo. Ah ben, un 0-0. Ben on rappelle, les gens sont fatigués parce qu'on a joué le match à retard. Parce que c'est pour ça que les gens sont complètement fatigués. Tu vois. Ah, Tchirichev qui part. Récupère. Vas-y. Au moins qu'elle est. Vas-y, faut chercher une solution. Le centre. Vas-y. Oh putain, qui sera Anderson. Putain. T'es tout seul, mec. Pourquoi tu es à côté? Il faut que tu mettes ton but, mec. Putain. Putain, le mec est tout seul, il a tiré à côté. C'est quoi ça? Il faut que tu mettes dans le but là. Eh ouais, j'étais sûr. Ouais, mais on joue bien cette tactique, elle marche bien, mais on a les occasions. Hein. Jouer, ça c'est bien. La frappe de Tchirichev, on va voir du gars. Tchirichev qui tente sa chance, dommage. Allez, le coup franc, au moins un coup franc, c'est dégagé. C'est pas fini, ce sera contré. Corner, allez, on chope peut-être une tête. Les joueurs sont pas tellement fatigués, mais les joueurs sont complètement fatigués. Ils ont joué un match à retard, c'est pour ça que le match à retard nous a, je sais pas quoi. Le corner s'est dégagé. Ouais, Tchirichev, il part de Zaria, il y a du mal. Tchirichev, défendu par Johansen.
Allez, c'est encore contré, corner. Toujours 0-0. Ben, pour l'instant, on est à domicile, on n'arrive pas à trouver le chemin du but. On cherchait un corner pour une tête. Corner, ah, c'est à côté, au-dessus. Pourquoi il tire au-dessus? Ce corner était bien tiré, sérieusement au-dessus. Avec coup franc. Coup franc en combinaison. Ah, Johnson, oh non! C'est dans le bras du gardien, t'as ta chance! Pas sa chance, il a tiré sans sa chance, il s'est passé fort. Allez, moi une touche. Ah putain, allez encore. Allez, le centre. Ah, c'est trop fort ça. On va voir du gardien, c'est les ballons forts ça. Ouais, mais. Ouais, défendu par le but, bien défendu. Allez, on va chercher peut-être une solution. Bien. Ouh là là, Anderson tente sa chance. Anderson qui tente sa chance, c'est à côté. Dommage, c'était bien joué ça. Mais c'est largement à côté. Allez, le coup franc. Johansson s'est contré. La frappe a été déviée. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Hors jeu. Il était hors jeu. Ah, sérieux. Tiens. Allez, moi une touche. Puis une tête, une tête. Allez, le centre. Allez Christian, c'est dégagé. Jouer. Allez, à moins de chercher peut-être quelque chose, mais là ça joue bien. Allez, le centre. Ce sera un corner. On rappelle qu'un 0-0, ça va très bien. 0-0, parce que regardez les joueurs sont tous stand-by, ils sont complètement fatigués parce qu'ils ont joué tous les matchs. Ils ont joué un match contre. Ils ont joué parce que c'est un match en retard. Corner s'est dégagé. Mais là, il faut les faire souffler pour le prochain match face à Regina. Au Regina, ça va être. Les matchs sont être frais, tu vois. Allez, le centre s'est dégagé. Oh putain, il tire le ballon. Allez, récupère, vas-y. Allez, va la co. Ah, il tire le ballon, récupère, c'est bien. Vas-y. Allez. Jouer. Bien joué. Allez. Ah, c'est trop fort pour Christian, c'est trop fort. C'est trop fort ça. Oh là là là. Ah, c'est un peu mieux là. Jouer, allez, tranquille. Mais pourquoi il frappe? Pourquoi il passe pas à Tcherychev? Pourquoi il frappe lui? Pourquoi il frappe à côté? Il passe à Tcherychev. Il a pas vu Tcherychev à gauche. Allez. Ah, ça va y avoir jeu, ok, il y avait hors jeu. Hors jeu pour y avoir jeu, ok, il reste du temps, allez, toujours 0-0. Ouais, ce serait une touche, allez, on va chercher peut-être quelque chose. Bien joué, allez. Penalty, il a pas sifflé. Penalty, là, sur Tcherychev, là. Allez, 2 minutes additionnelles pour ce match, ce 0-0. Bah, c'est 0-0. Match nul face à. On fait match nul, les gars. 0-0. Face à Paris, match nul bien mérité parce qu'on a fait match nul, mais les gens sont complètement là, à fatiguer, tu vois. On reste toujours à 0-0. Je vous montrais les stats. Hein. Les stats, ils sont là, les stats juste en bas. Tu vois, les stats juste en bas. Je vous montrais les stats. Excusez-moi. Pour la touche. Voilà. Bon, les stats sont là, les stats. Alors, les stats sont là. Voilà, les stats sont là. Alors, on a 15 tirs contre 7 cadrés. Bon, je vais aller juste en bas parce que là, c'est pas ouf. Bon, les stats, 15 tirs contre 7 cadrés. 2-0-7 DJ. 51 possessions. 9 corners, 5 fautes, 88 passes. Ok. Eux ont 3 tirs, 0 cadrés. Ok. 0-29 DJ. 49 possessions, 2 corners, 10 fautes, 86 passes. Ok. Les joueurs, c'était bon. Qui était bon comme joueur? Matteo, qui a une note de 7,2. Très très bon, Matteo. Hukman, 7,1. Texman, 7. Denis Janssen, note de 7. Voilà. Je vous montrer le classement. On est toujours. On reste 5e, toujours à 2 points de de Koumé et de Parme. On reste toujours à un match du 0-0.
On va dire quoi alors? On va dire ça. On a les occasions, mais. Les gens sont complètement fatigués, c'est pour ça qu'on fait match nul. Bon, pour l'instant, ils ont pris un rouge, mais on fait match nul quand même, on reste 5e. 5e du championnat, on reste à 0-0. Bon, match nul, retrouver un trou. Ben, match nul, ça va très bien. 0-0 face à Paris, un match nul mérité. On reviendra un jour, bien sûr. On va du repos. Ah, bonjour, notre repos, 12 jours. Ok, on fait du repos, on met du repos. Repos, on va mettre du repos, les gars. On va mettre 6 jours de repos. Parce que là, ils sont complètement fatigués. On va mettre du repos déjà. Alors, lui, Christian, on va le faire souffler. Christian, on va mettre du repos aussi. Alors, Christian, repos 6 jours. Antonio, repos 6 jours. Ouais, ils sont toujours fatigués, mais attends, je vais mettre du repos là. On peut pas mettre du repos là. Du repos à des jours aussi, hein, bien sûr. Ça, c'est les remplaçants qu'on fait, du repos remplaçant. Voilà. Pour l'instant, la tactique elle marche très bien. Ouais, ça marche bien. On va tenter. Bon, on va mettre du repos à des joueurs parce que là, c'est pas mal. Voilà. Alors. Tac. Ouais, hommage à Bono. Bien sûr, c'est notre gardien de Barry qui a été très bon. Mais normal, tu vois. Alors, ça, je vais enlever ça, mettre les transferts, donc là je mets les supporters. Et là je mets les transferts. Si vous voulez, je mets les transferts, vous voulez. Hein. Transfert, c'est où les transferts? Ah, transfert en attente, je vais faire ça. Voilà. Ok. Bon, déjà c'est un match nul 0-0 de Paris, les gens sont complètement fatigués. On joue dans 11 jours, ce sera le 11 jour le match face à Regina, on joue contre le joueur de survie. Pas mal du tout. Ouais, bah ça va. Ça, c'est genre ciblé. On a David Cabral, Damsen, Samuel et. Ok, ça, c'est des gens qui sont demandés en observation. Ok, on continue d'avancer. Voilà, non, lui, il est pas bon. Lui, il est bon. Il a un moins, lui. C'est notre. Ah, il est milieu de terrain. Sergio. Ah, c'est pas mal, lui. Ouais, c'est. Ok. On va peut-être mettre du repos, peut-être du repos. Hein. Parce que là, les entraînements, c'est pas mal. On a un Israélien. Il a quel âge, lui? 18 ans. Ouais, 18 ans. Entraînement. Ah, on va mettre ça là. Aux entraînements, on va le féliciter. Note de 7,75. Pas mal ça. Demande de prêt pour Patson. C'est latéral droit, Venezia. Il joue quel poste lui? Latéral droit. Ah, il joue pas beaucoup avec nous lui. Il joue à droite. Il a joué aucun match avec nous. On va peut-être le prêter lui. Islandais. C'est un prêt avec son achat de 50K. Moi je vais le prêter sans son achat mon gars. Ouais, mais lui il va être prêté avec son achat. Et je fais comment lui? Attends. On va le prêter. On va peut-être le prêter. Ah, on va peut-être le prêter. Moi je fais là pour le prêter là. Je vais rejeter. Attends, on peut le rejeter là. Attends. Je vais peut-être le prêter. Je vais rejeter l'offre. Après 50K, son achat 50K. Je vais rejeter l'offre. Je suis désolé, je rejette. Parce que en fait, le mercato est fermé. Ça veut dire que le mercato est fermé, tu peux pas le prêter. Ebretson, qui est très bon entraînement. C'est bien Ebretson. Ça va, ça progresse. Lui, notre défenseur qui est prêté par Cagliari, qui s'entraîne mal, bien sûr. Voilà. On rappelle la tactique, la première tactique, elle marche mieux que la deuxième tactique. La deuxième tactique, on a fait match nul. Contre Barry. Ça, c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ah, c'est encore match en route. C'est un match avancé, ça? Hey, 6-3, il est pas bon avec le gardien, il est pas bon 18 ans avec les Tony. Voilà. Ce match, ils ont fait Sondor contre eux, ils nous passent devant. Ah, ils sont 4e, ils nous passent devant 55-54. C'est très serré pour ce classement. Très très serré. Parce qu'après, on a quoi à domicile? Prochain match, à domicile encore. Hein. On rappelle que. Normal du tout. Ouais.
Ça va mieux, là, ça va un peu mieux là. Bon, là, on va voir ça. 7,1, il est très bon lui. 6,6, ok. C'est qui ça? Ah, c'est l'italien, ok. C'est lui qui. C'est très bon lui. Ah, il monte en puissance, on va peut-être le donner entraînement. Nouvelle densité. C'était aux entraînements, bien sûr. C'est combien de matchs hein? Ça, c'est un match. Ça, c'est un match aussi. Voilà. On avance un peu. Attends, je vais travailler la tactique. On peut la travailler la première. On va travailler la deuxième tactique, je crois. Ouais, on va tenter la deuxième tactique, je crois. On va partir comme ça, je crois. Un peu mieux. Il prêtait bien. Ah, il a marqué des points, lui. Voilà, bien. Alberto, à droite. Entraînement. La densité. Il est très bon, lui. Vers 8,70. C'est pas mal, lui. Très, très bon, le joueur. Lui. Matt, ouais, lui, il est pas, ouais, lui, il monte en puissance, c'est bien. Bruno Balato, qui aussi qui monte en puissance, c'est bien. Et Ebrelson, qui a ça monte un peu. Ebrelson qui monte un peu, c'est bien. Ça pourrait ça. Alors, on va faire sa attaque. Voilà. Regina, Jean, pour prudent. Ah, bah, sa défense n'entend pas bien. La défense centrale, ça n'entend pas très bien. Peut-être des doutes, et cette équipe. 19ème, nous joue le. On est 5ème. Pour l'instant, c'est pas si mal. Ouais, c'est normal. Alors, voilà, lui, c'est 6-9, ok. On récupère notre gardien, Jesse Jones Johansen, qui revient dans 9 jours à 3 semaines. On récupère notre gardien titulaire dans 9 jours. Il va peut-être revenir pour le prochain match. Dans 9 jours, ça va revenir. Je compte, il revient quand le gardien? Je regarde, il revient quand Joël qui a joué 6,5, c'est bien. Joël qui a marqué. Ah ouais, mais Joël, là, c'est match amical, d'accord. Non, parce qu'ils ont une trêve internationale, c'est pour ça qu'ils jouent leur match amical. C'est-à-dire qu'ils sont fatigués, les joueurs. Voilà. Lui, il est blessé, un, hein, 2 jours, c'est pas très rare. Notre remplaçant. Ouais. Ok. Ça, c'est pour les trucs. Allez, on y va. Il pose qu'on compo. Il pose deux changements dans l'équipe. Barco remplace lui en défense centrale. Christian pour Joël. Christian qui va être titulaire à la place de Joël. Parce que Joël est complètement fatigué, le joueur. On est face à Regina. On a domicile. Parfait. C'est bien. Alors, il répond aux questions. Ah, ça me gêne ça. Putain, il est fiché ce truc. Hein. Ça, le deuxième. Gabeni, c'est l'entraîneur de cette équipe. Ah, d'accord. Celui-là. Ah, Cuisance, qui s'est marqué? Cuisance, pourrait prêt en forme, pourrait votre équipe pourrait le laisser partir. Il parle de Mika Cuisance, prêté par Venise. Cuisance, c'est l'Allemand. Manager, match difficile face à Regina, seulement Goning. C'est lui l'entraîneur, ils ont pris un coach comme ça. Ouais, fan de manager. Pourquoi il me dit, je suis fan, il est fan de moi le mec. Sérieux? Brenson, c'est très bien, bien sûr. Oliveira, c'est très bon. Comme lui, il est en forme en entraînement, c'est bien. Christian, hein, Christian, je suis désolé, mon gars. Christian qui s'entraîne mal, tout comme. Et l'autre, il tire Itchev, s'entraîne mal. Oh, il y en a 2-1 face à Lonko. Bah, Lonko qui reste 18ème, ils sont combien? Ils sont 13ème. Bah, ça va. Allez, on va jouer face à Ridley. Après, le prochain épisode, ce sera Ascoli. Alors, qu'est-ce qu'il me propose physique? Lui qui est pas 100%, lui est toujours blessé. C'est parti. On joue à 16h, les gars. 16h de l'après-midi. Il me pose encore une fois jouer à la place de Christian. Je laisse Christian, mon gars. On va jouer en positif, d'accord? On va jouer dans la surface. Je vais essayer. On rappelle qu'il me pose Joël que Christian. Christian, il va jouer. Joël, il est fatigué. T'es Joël, il va jouer, il est fatigué. Je laisse sur le banc, mon gars. Oh.
Rendex, cet adjoint alors. Bah, le problème c'est ça. Attends, il joue comment Christian? Attends, je vois qu'il joue comment Christian? Oh, il fait chier ce truc. Christian, il joue comment? Attaquant, en surface d'attaque. Vas-y, on va mettre en surface d'attaque. Hein. Allez, on va faire ça. Ah putain, il veut pas jouer comme ça. Le mec veut pas jouer comme ça, il veut jouer en pivot. Pivot, attaque. Il veut jouer en pivot, mec. Pivot. Oh, pivot, là. Pivot. Ah merde. Pivot. Pivot, attaque. C'est mieux? Ah, attends, le problème, c'est ça. C'est. Ah, non, ah, ça va. Attends, c'est quoi qui a le problème? Ah, c'est les joueurs. Ah, c'est Taxman et UX. Ah, ça joue mal. Ah, il joue comment, lui? Oh, j'ai pas appuyé dessus. Oh. On va mettre quoi lui? Mieux axial d'attaque. Axial attaque. Voilà. Et lui, Taxman. Taxman. Récupérateur défense. D'accord. Récupérateur défense. C'est mieux comme ça. Ah, le problème c'est ça. C'est Johansen et Christian. Ah, c'est Johansen là. Johansen. Là, ça va. Ah, le mieux c'est quoi? Johansen. Allez, je joue comment Johansen? Ailier soutien. Ailier, on va mettre intérieur soutien. Voilà. Ah bah c'est mieux. Sauvegarder la partie. On va sauvegarder la tactique. Ah c'est bon. Lui il joue comment? Ah lui il joue mal. Hein. Lui c'est. Il joue comment lui? Attends. Ouais c'est mieux. Même le truc récupérateur défense c'est un peu mieux. Ouais c'est parti on y va. Excusez-moi je vais contrer cette équipe de là. Attends, je vais contrôler cette équipe. Les coups pieds arrêtés. Hein. Les coups pieds arrêtés, c'est bon. Attaque, c'est bon. Ouais, les coups pieds arrêtés. A2, c'est qui le A2? C'est qui A2? Ah, c'est Marco qui est au marquage. Attendez, là, c'est bon. On a bien joué le jeu. Allez, c'est parti, on y va. On va juste contrôler cette équipe. Christian qui va être titulaire parce qu'on rappelle que Joël est. Et remplaçant parce qu'il Joël il remet il est fatigué le mec pour le mettre Christian titulaire hein. Mon gars on va dire ça ah putain ils sont pas contents dommage allez tac allez c'est parti il n'y a que 3 allez trousseau de vie ok c'est parti on y va. Voilà, pour l'instant, on est à domicile. Bah, eux, ils sont mal classés. Hein. Nous, on est 5e, ils sont 19e. Pour moi, je suis une victoire face à eux. Voilà, si on gagne, on revient. Si on gagne, on reprend la deuxième place. Si on gagne ce match, on reprend la deuxième place sur. On sera deuxième si on gagne. Pas mal du tout. Allez, on va demander plus. C'est parti. On va demander plus. C'est là, non? Ouais, c'est là. Allez, demandez plus, c'est parti. Ah, ça tient pour l'instant. Ah, je crois que je vais mettre les matchs en cours. Si on peut mettre les matchs en cours là. Ah, je peux pas. Les matchs en cours, c'est pas grave. Bah allez, on y va. Pour l'instant, c'est 0-0. Bah, on peut peut-être chercher un but, hein, les mecs. Repéré par Ebresson. Allez, le premier centre. La tête de Christian dans les bras du gardien. Alors, il faut qu'il se montre Christian, qu'il se montre. Ah, carton pour Taxman qui est déjà averti. Ah, déjà averti Taxman, déjà averti. Jouer le centre. Vas-y. Joël et le but de David Hensen. Ça fait 1-0. Voilà, le premier but de Johansen. C'est parfait, notre Norvégien qui marque son but. 1-0. Face à Regina. C'est parfait. Belle passe d'Ebrelson. Il n'y a pas de faute sur Christian. Et la frappe de Johnsen.
fait 1-0, belle passe d'Ewenson. C'est parfait. Ça fait 1-0 face à Regina. C'était les deux joueurs. Et on passe troisième, les mecs. On passe troisième. Hein. Gaëtan avec Parme en classement. On passe troisième. Parfait. Et on est troisième. On revient autour de Parme au classement. Ça, c'est bien joué. Allez, le centre s'est dégagé. Ça, c'est bien joué. Allez, tranquille. Voilà. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est dévié. D'accord. Corner. Ça a été dévié. Ok. C'est dévié. Corner. Allez, moi, j'ai une tête, s'il te plaît. Une petite tête. Allez, le corner s'est dégagé. Jouer. Allez. Là. Oh là là là, le but. De Zabrato. Oh là là là. 2-0. Oh là 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 là. Oh, le but qui met. Quel bijou! Quel bijou! Regardez-moi ça. La passe de Marco. Belle passe de Bolso. Passe de Marco. Ouf! La frappe qu'il a mis. Oh là 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 là. 2-0. Félicité. Zapano qui marque le but. 2-0. C'est bien. Ça vient ça de mener 2-0. Allez, bien joué. Allez. Allez encore, vas-y. Bien joué. Allez, la faute. Non, il n'y a pas faute. Oh, vas-y. Et 3-0. Signé Ebretson. Et voilà, on met le break. 3-0. Le break est fait. Voilà, le 3-0. Ils sont nuls. Ils sont trop nuls. Ils sont trop nuls. Voilà, la passe de Johansen. Voilà, Christian qui dit. Le centre de Pedri. Pedri, pardon, et Bredson qui marque. 3-0. Voilà. Félicité et féliciter l'Islandais et Bredson. 3-0. Bien, le retour de Hoffman. Ça une touche. Ça tient pour l'instant. Ça joue bien. Hein. Pour l'instant, on a une réalité à part de 57 points. Bien ça, bah super. Ouais, mais eux ils jouent le maintien, ils jouent le maintien, ils jouent leur survie. Nous jouons la montée. Peut-être jouer le, pardon, jouer le soit la montée, soit jouer le playoff. Peut-être la deuxième place pour remonter en Serie A. Attention, oh Marco, attention, faut défendre Marco. Oh ça va, c'est à côté. Enfin qu'il arrive, ça va, enfin que c'est à côté du but de Matteo. Ça va s'éviter le but, mais c'est normal. Il y a Matteo qui a moins des points. On rappelle que l'autre gardien remplaçant Matteo qui est titulaire, mais le gardien Bruno est sur le banc parce qu'il est juste sur le banc. Coup franc. La tête de Valaco, c'est au-dessus. C'est un croate en fait, c'est pas un italien. Ah, petit pause là. Ah oui, il me pose des coups arrêtés, je vais faire ça. Il ne marche pas les coups arrêtés? Ça marche pas. J'ai pas vu. Ah. Supprimer. Engagez vos plus. On va supprimer ça. Allez, vas-y. Oh là là, fou, c'est pas passé loin pour le 4-0. C'est largement au-dessus. Ouais, dommage. C'est à côté, excusez-moi. Allez, 2 minutes pour temps additionnel. Allez, moins un coup franc. Allez, le coup franc. La tête de Dexman et la parade du gardien. Dexman qui voulait marquer le 4-0. Ce sera un corner. Et 8 ans. 3-0 à la 8 ans. Voilà, 3-0 à la 8 ans face à cette équipe de Regina. Bon, je vais voir les stats juste à droite. On va voir les stats juste à droite. Bon, les stats de cette. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est là. Bon, les stats, c'est. Ah, je vais juste faire ça. Attends, je vais juste faire ça. Non, c'est les stats, c'est là, non. C'est mieux lequel, les stats là? C'est mieux là, non? Bon, les stats, 7 tirs contre 5 cadrés. 0,47 DJ. Un corner, 4 fautes. Un carton jaune, 91 passes et 54 possessions. Ils ont un cadré, 0 cadré, 0,16 DJ,
0 corner, 7 fautes, 1 carton jaune, 88, 46%, 46 possessions. Les gars, je suis confiant de vous, les gars, je suis fier de vous là. Là, ça marche. Allez, deuxième période. Ça joue bien pour l'instant, ça joue très très bien au ballon quand tu fais pareil un match en retard, les joueurs sont complètement fatigués là, tu joues bien contre Regina, tu mènes 3-0. Ah, tu mets 3 buts sur plus, c'est bien. En plus, le son était fort parce que le son, je l'ai baissé quand j'ai fait le premier match, j'ai le son 3 fois, parlé 3 fois. Et là, j'ai réglé le son, j'ai baissé. On appelle ça, tout va bien, mais pour l'instant, ça tient. Allez, récupère. Allez, vas-y, au moins centre. C'est dégagé. Allez, moi chercher quelque chose. Ah, attention, attention à l'ancien Toulousain. Pour retour de Valaco qui défend très bien face à l'ancien Toulousain. Ça une touche. Un coup franc. La tête de Valaco au-dessus. Il y avait hors-jeu un peu. Non, il y avait au-dessus. Il n'y avait pas hors-jeu. Il y avait pas hors-jeu. Ah, c'est quoi ça? Ballon perdu. Ah bah panneau, ah, dommage. Vous bloquez, ah bah ça va. Ouf, il y avait hors-jeu, ok, il y avait hors-jeu. Je vais faire des. On peut pas faire des changements? Ah non, on va faire des changements pour l'instant. On va faire des changements. On est à la 58ème. Ah, je sortir les cartons jaunes. Taxman va sortir, je crois. Et tu rentres. Ouais, je vais faire un changement parce que j'ai peur que je perds un joueur important, on sera suspendu parce que. Bon, je fais là. Attends ça. Ah, ce sera un corner, c'est dévié. Avec les joueurs, ça va, ils sont pas fatigués, ça va. On a fait sortir un joueur qui a pris un carton jaune. Pour pas qu'il soit suspendu. La tête dans les bras de Matteo. Écarté par Matteo, c'est bien Matteo qui capte le ballon. Voilà. Oh putain, c'est pas pour moi ça, pas pour moi les cartons. Coup franc, c'est dégagé. Ah ça va, bien capté par Mathéo. Moi ouais, j'appelle Mathéo parce que j'ai oublié de m'appeler comme ça. Allez, coup franc. Ouh là là, c'est dévié. Corner, ça a été dévié par le mur. Ce sera un corner. Allez, le corner, c'est dégagé. Mais, ah, dommage. Jouer. Ah, c'est un mauvais choix, ça. C'est un ballon mal donné, ça. Ah, il y a faute. Il y a faute, c'est une faute, ce sera un coup franc. Il y a faute. Attends, je vais faire des changements. Attends, je vais faire des 10 champs. Ah, j'ai pas appuyé dessus. Faire des changements. Bah, on va sortir mon latéral droit. Puis il y a le latéral droit qui est fatigué. Zapano, on va faire entrer Antonio. Alors, on va faire ça. Allez, bon tour du buteur, du deuxième buteur. Ce sera un corner. Bien défendu par Marco. Ah, c'est bien défendu par Matteo qui sort sous sa ligne. La frappe s'est contrée.
Ça a été dévié. Ça sera un corner à nouveau pour eux. Le corner s'est dégagé. La reprise contrée par Pedri. Reprise contrée par lui qui a récupéré Pentri, je crois. Coup franc dégagé par Marco. La frappe pour la parade de Matteo. Ce sera un corner, on sortira mon changement au milieu de terrain qui est fatigué. Bolozzo qui est fatigué. Corner à la tête au-dessus. Début de Matteo. On va faire des changements. Pour l'instant, on va faire des changements. Bolozzo, on va faire entrer. De lui, il faut pas. Je vais faire entrer. On va sachant ça, lui, on va rentrer lui à droite. Au milieu de terrain. Ça va, on va faire le changement. On confirme le changement. Allez, changement tout de suite. Ah, bien joué la diversion. Ah, tout le rond ballon, on va essayer de chercher. Il s'appelle Christian. Christian qui joue un peu parce que l'autre Joël, on le laisse sur le banc parce qu'il faut le préserver pour le prochain match. Pour Joël qui a joué du temps, mais il est fatigué le joueur. Il faut le laisser au repos, je crois, parce qu'il a joué tous les matchs. À sa sélection en Finlande, il a joué à sa sélection aussi, pour le préserver. La tête en 6 était au-dessus, il y avait hors-jeu pour l'ancien Toulousain en 6, il y avait hors-jeu. Vendu par Marco, ce sera un corner, ben, c'est Marco Modolo, je crois, c'est un nom italien, c'est du mal. Hein. Défendu, 5 euros dessus, début de Matteo. Encore des changements, c'est dur les changements, c'est normal, tu vois. Bon, les changements, on va sortir qui? On a fait un beau match, on va sortir Lookman, on va faire entrer. À quoi? Ah, c'est tous les changements, d'accord. Oui, ils m'ont 3 changements. Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais, d'accord. J'ai mis tous les changements, j'ai fait entrer. Ah, d'accord. 1, 2, 3. 3 changements, je fais 3 changements. Il en faut 4 là. Ah, j'ai fait tous les changements. J'ai fait tous les changements. Mais pourquoi il me fait 3 changements? Il y a quoi 3 changements? Je crois qu'il y avait 4 changements en tout. Moi, je comprends pas. Bon. Ah, j'en ai fait 4, mais il m'en faut 2 de plus. Et j'ai fait tous les changements. Donc, on va à la cour. Sans dégager, mais défendu ça. On appuie sur le ballon. On rend le ballon. Bon, retour ça. En plus, on rend le ballon à l'adversaire. La frappe oh, gâtée par Matteo. On a fait 3 changements. Je crois que c'est avec 4 changements. 5 changements. On pose 3 changements. Je crois qu'il y avait 4 changements en tout. Je sais pas pourquoi il y avait. Tout à l'heure, il y avait 4 changements. J'en ai fait 4, 5. Et il en faut que j'en fasse 3. Ouh la parade de Matteo. Quelle parade de Matteo. Quel arrêt du gardien remplaçant du gardien titulaire. Je me rappelle que le gardien numéro 2 c'est Matteo. Corner. Bien Matteo. Bien capté. On va quand même gagner du temps parce qu'on est chez nous. On est chez nous, on gagne du temps. Tranquille. Ah, c'est trop fort ça, c'est un peu fort ce ballon, un peu fort. C'est normal que j'ai baissé le son du jeu parce qu'il est mis à 3, 3 c'est bon, 3 que 5 et 4 c'est très fort, hein, tu vois. Oh putain. On se voit pour l'ancien Toulousain, on tiste et ça fait 3-1.
On se prend un but par l'ancien Toulousain. Autiste, antiste. 3 buts à 1. Ouais, c'est, je vous l'avais dit qu'on encaisse les buts. Ouais, c'est entre le 13 et le 27. Ah, c'est le 13, c'est le capitaine Marco. Et Antonio qui est sur le marquage de Dentiste. 3 buts à 1. Il sauve l'honneur cette équipe de Regina. Il sauve l'honneur cette équipe. Il sauve l'honneur parce que là on est à 2 buts de retard. 2 buts d'avance, pardon. Quand même pas si mal. Hein. Il faut juste jouer le compte parce qu'on est, si on marque un quatrième but, ça va très bien. Un petit quatrième, c'est normal. Hein. Mais il reste là. Allez, le coup franc, c'est dégagé. Allez, Xia. Il y avait hors-jeu, ok, il y avait hors-jeu. Ok. Mais il reste là. Ah ouais, ça joue bien. Ah, c'est un beau balance, ça. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? D'accord. Hors-jeu. Pour jeune scène, hors-jeu. Il reste 4 minutes, on est toujours sur le résultat. 4 minutes. Oula, bien capté par Matteo. Allez, c'est fini. Ce match va se terminer. Et voilà, victoire 3-1. Face à Regina. 3 buts à 1. Quelle victoire. Parfait. Bon, je vois les stats juste en bas. Bon, je vois les stats. On a 8 tirs. On a 5 cadrés. Un carton jaune. 51 possessions. Alors, possession, j'ai pas dit. En plus, j'ai dit 51, c'est parfait. Corner, à l'aspect des corners, on a 1,54. Les corners, j'ai dit les corners. Les corners, il n'y a que 2 corners. 12 fautes. Ok, 88 passes. J'ai dit les trucs. Côté, eux, ils ont 13 tirs contre 7 cadrés. 1,56 DJ. 49 possessions, 6 corners, 16 fautes et 88 passes. Le nom des joueurs qui s'est été bon, c'est Zapano 7,2, très très bon. Marco Madolo 7,2, très très bon. Ebretson qui a marqué des points 7,8, 7,8, ouais, c'est ça. Dejansen 7. Pietrini 7,8, très très bon. Voilà. Et au classement, on est toujours 3ème, on revient autour de Parme 57, 57 points. On n'est pas loin de la deuxième place, on n'est pas loin. Hein. Deuxième place, on va dire victoire 3 buts à 1 face à Regina. Parfait. Match nul entre Brescia partout. Molenbeek gagne 2-1 face à Bari. Ok. Parc qui font match nul face à au leader 0-0. Pezia 1-0 face à Parme. Palerme, pardon. Pezia 3-2 face à Ascoli qu'on va jouer contre au prochain épisode. Et on reste. On revient autour de Parme 57-57. Pas mal. Allez. Ah, qui me pose quoi là? Un gardien? Ah, l'autre Matteo, meilleur que l'autre Matteo. Ah, il est deuxième gardien. Meilleur que l'autre Matteo. Ok. Voilà, victoire 3-1, c'est parfait. On est entraîneur adjoint. Il est un peu buvard. Il est un peu buvard, lui. Il est un peu buvard, on l'a battu, le mec. On l'a battu. On met du repos, on va mettre au repos une journée parce qu'on joue dans 6 jours contre Ascoli. Ce sera à l'extérieur. Allez, je change le skin après, je vais changer le skin. Ah, Koumik, oh, c'est pas possible. Koumik nous passe devant, 2 buts 1, il gagne 2 buts 1. Koumik face à pour l'instant, on perd notre 3ème place. Si on revient, 4, on est 4ème, 57, 57, 59. Il passe devant Koumik. Il passe 2ème, c'est bâtard de Koumé quand on avait match nul contre eux, un partout. Ça me gonfle. Hein. Ça me gonfle un peu, tu vois. Ça me gonfle un peu, tu vois. Ça me gonfle. Hein. De faire ça parce que, tu vois, c'est normal. Hein. Attends, je vais changer le skin après. Changer le skin après parce que là, le skin il est pas mal du tout, mais on voit pas bien le truc. Ça, c'est quoi ça? C'est les Nugen. Ok. Échec. Marco, échec. Quoi? 6-6? Bon, ça se fait qu'il est échec, lui.
C'est fou ça. Note de 6-6, échec. Ah, c'est pour le moral, d'accord. C'est pas pour le moral, c'est pour juste pour le niveau. Alors, qui c'est qui. Ah, il y a beaucoup de fins de contrat. Il y a lui qui est en fin de contrat, pas le niveau. Bah, ça, c'est des fins de contrat, c'est pas le niveau. C'est pas moi qui gère tout, c'est mon directeur sportif qui gère les contrats. Il y a la fin de contrat de Christian Mouninaro, c'est pas bon. Mouninaro, c'est le directeur technique. 11-10. Ah ouais, c'est le directeur technique Christian Mouninaro qui est passé par la Juventus. On verra pour le fin de contrat. Les staffs, hein, c'est des niveaux jeunes, mais c'est pas ouf. Voilà, c'est mon directeur sportif qui gère les contrats. Ascoli, alors la défense centrale ça ne va pas bien, le milieu de terrain et le côté des milieux de terrain là ça ne va pas bien, entre la défense et là ça ne va pas bien parce qu'ils sont ils ont 17ème Ascoli. Ils nous passent devant aussi, ils nous passent devant 2-0 face au dernier. Sondrea 2-1 face à Tarragona, on passe toujours 5ème, on perd notre 1, on est 5ème, c'est pas possible, on est à 2 points de Koumé, on a 2 points de la deuxième place, on a 2 points. Ça c'est combien de matchs là? Un match. Oh putain, la prochaine mi-temps ce sera Ascoli. Ah, il y a Brescia, prochaine... ah, il y a Brescia qui joue à domicile. Brescia ça va être compliqué contre eux. Face à Brescia. Genre la semaine c'est Krulis du côté de Spezia. Krulis. L'attaquant Letouni. Il vient d'où lui? Il a acheté à Valvira, il a acheté à Spezia pour 1,5 million. Il a marqué 13 matchs, 13 apparitions, 5 buts. Et il est fort ce joueur, il est très fort ce Lettoni. Krolis. Jeu de la semaine. Ouais, on est en avril 2024, c'est parfait. Ouais, d'accord. Le but de l'année, c'est. Ah, il nous passe devant. Ah, c'est le but de l'année, c'est lui que. Lui, ok. Le joueur du mois, c'est. Ouais, le joueur de la semaine, c'est Emerson. Ok. Bruno Balato, qui. Ah, il revient un peu, mais c'est normal. Le skin est pas mal, mais on voit pas le truc. C'est ça que je voulais changer le skin tout à l'heure. Je vais mettre le autre skin qui me plaçait. Alors, c'est quoi ça? Libérer les joueurs. Alors, qui est meilleur? Ah, oui, acceptable. Propose un contrat si tu veux venir, toi. Il y a 19 ans. Proposer un contrat. Allez, chez nous. Lui il est assez déterminé. Ah, lui il est plutôt meilleur que lui, il est pas mal. Il joue à Foggia, c'est pas mal lui, 19 ans. Ouais, c'est un joueur qui est bon ça. Pour les prêter dans l'équipe réserve. On a lui équilibré, très très fort, faible. Lui c'est un gardien de l'Inter. Il est très fort lui. 19 ans, mais il est plutôt. Il a bon potentiel, il a bon potentiel lui. Il a un beau potentiel le gardien. Voilà. On a un buteur. Antonio Fasca, c'est un beau buteur ça. Il a marqué un but lui. Il a joué aucun match, hein. C'est avec la Juventus, il joue avec l'équipe Juventus de Turin. Il est très fort lui, on a posé un contrat, très très fort, le joueur est très très fort, il est très fort en équilibre, très fort, faible, c'est le pied gauche. C'est un vrai 10. Ouais, mais c'est normal, tu vois. On a qui encore? On a lui. Ça c'est un joueur qui est pas mal, défense centrale, là. Il est très fort en pied droit, il est en équilibre. Il a 18 ans, formé au Milan AC, très fort, parce que lui c'est un niveau qu'on peut le prêter lui. Voilà. C'est qui ça? Ah, ça c'est un joueur fort ça, c'est Diop. Diop. Ouais, ça c'est un joueur qui. Défense centrale, peut-être les joueurs qu'on peut les prêter pour les faire jouer dans l'équipe 1. Ça c'est quoi ça? Andro Mirin. Autiste. Ok, on va les enregistrer tout ça. On a lui, équilibre. C'est notre milieu gauche de l'Inter. Très fort ça. Et Nélier. Ok, on va ajouter ça à la sélection. On a lui qui est un défenseur central de la Juventus. C'est très fort ça. Il a 6,50 en. 6,50 en note. Ouais, il a joué à la Juventus, je crois. Et enfin, on a un buteur croate qui est pas mal du tout. Un buteur de. Un croate qui est très fort lui aussi. Il a quel âge lui? Il a 18 ans. Est-ce qu'il est fort lui? Ouais.
1m78, hein, c'est un buteur qui peut jouer à gauche, peut jouer partout. Pas mal. Les dirigeants en Nancy, c'est parfait. Les supporters en Nancy, c'est parfait. Le vestiaire qui monte un peu, bon vestiaire, moyen entraîneur, mais moyen. C'est vrai que ça progresse bien. Et à cause des résultats, tu vois. On les a réveillés. Au niveau effectif, ah, ça c'est quoi? Ça, c'est les gens qui sont observés, tu vois. Tout ça. Ok, changer le skin après, je verrai si je change le skin. Parce qu'on voit le skin, il est pas mal, mais on voit pas le truc. Les joueurs prêtés, les joueurs prêtés, c'est pas mal, les joueurs prêtés. Oh putain, c'est pas possible. Jay Johnson blessé, 1-3 jours. On va occuper notre gardien titulaire. Entre 4 jours et 8 jours, on va occuper notre gardien titulaire. Pas mal, hein. Ce sera pour le prochain match, ça sera Brecha qui va revenir pour Brecha, je crois. Donc à ce coup-là, ça va être trop juste. Qu'est-ce qu'il y a lui? Ah, il est plaisir lui. Armé beaucoup de liés très importants pour le Génois. Sera prêté pour votre position que Gervinho pourrait avoir très du temps de jeu. Ah, lui est prêté par Génois. Oui, il est blessé combien de jours lui? Entre 2 à 4 semaines. Il était bon avec le Génois. Il a joué 8 matchs. 8 matchs. 8 matchs, 6-37. Pas mal. Voilà. Oh non! Oh non, il est blessé notre défense. Marco blessé. Marco, combien? 600 jours? Oh putain, c'est pas possible, il est blessé. Oh non, notre blessé. Oh non, notre défense. Oh non, maintenant c'est l'autre qui est blessé. Ma deux charnières centrales, Marco blessé et Marie Valaco blessé. 6 à 2 semaines. Là qu'on perd notre défense centrale titulaire. On récupère Johnson, on est dans les 2 jours. On récupère Johnson et on va récupérer bientôt Jace, notre gardien au titulaire. Putain. Ah, Job, c'est signe. Job, c'est fait. Ça, c'est pour Job, c'est parfait. Ascoli. Ça, c'est un match de Coupe d'Italie. Bon, l'Inter qui passe contre la Fiorentina 3-1. L'Inter qui gagne la Fiorentina. Et Roma, Juventus, c'est match nul. 0-0. Ouais, exactement. Tac. La compo, poste des changements. Ah, il y aura un changement. Lui va remplacer Marco. Michael à la place de Valaco. Et Joël qui remplace Christian. Donc, oui, Johansen qui sera titulaire parce qu'il peut jouer Johansen. On est varié face à Ascoli, on est chez eux, à l'extérieur. Bon, juste aux questions. Comment les joueurs pourraient. Comini, Koury, Kanté, battre Barry pour être dans la course au titre. Je vais rien dire pour l'instant. Votre équipe pourrait être très importante de cette dernière rencontre face à Regina. Pour les joueurs pourraient continuer le rythme de ce prochain match. On va dire ça. Seulement le vestiaire pour être en train de lâcher pourrait vous lâche quoi, alors que vos notions de vos joueurs pourraient vous dire plus. C'est faux. Présenter votre président. Ah, c'est notre président ça. Ah, je suis pas avec mon président. Bien sûr. Une victoire, votre équipe face à Venezia pourrait se placer à la montée. Pourrait des rivales pourraient vous compter sur vous. Voilà celui-là. Comment les qualités de notre Pinitrini pourraient la maison face à Scully? C'est mon arme. Hein. C'est mon arme, mon gars. C'est mon arme. Hein. Voilà. Bon, les amis, je vais changer le skin. Attends, je vais changer le skin, excusez-moi, je vais changer le skin. Ça marche. Lui, il est bien, mais il bug. On va mettre celui-là, peut-être. Attendez, les gars, je vais changer de skin, ça marche pas bien. Lui, on voit bien, mais on le change. Pas celui-là, il est bien. Il est bien le skin, celui-là, mais on voit rien, en fait. On va essayer avec ça. Là, le son m'entend bien. Là, il faut que j'enlève l'entrée de sortie, peut-être. Attends, on va juste faire ça. Enlever ça. Là, on l'a enlevé, c'est parfait. On l'a enlevé. Est-ce que vous m'entendez là? On m'entend bien, c'est bon. On m'entend. Ah, on a enlevé le bureau. On peut l'enlever le bureau. Non, le bureau, on peut pas l'enlever. Hein, je peux pas enlever le bureau là. Attends. Ouais, je vais laisser comme ça. Ah, c'est mieux. Parfait. C'est un peu mieux. Ah, c'est un peu mieux ce skin. Il est un peu mieux comme ça. Bon. Calendrier. Ah, je vois pas bien là. Ah, je suis content. Ah, c'est mieux comme ça.
Voilà. Bon, on va juste faire ça. Attends, on va juste ces deux rencontres. Oh putain. Ah, vas-y alors. Attends, juste ouvert comme ça. Allez, c'est parti comme ça. C'est pas comme ça? Oh putain, pourquoi ça fait ça? Alors, enregistrer comme ça. Ok, enregistrer. Ok. Bon, on a fait 0-0 face à Paris, le match en retard. On a fait 3-1 face à Regina. D'accord. Les amis, prochain épisode, ce sera deux matchs. Encore une fois, ce sera le match face à Ascoli, on joue chez eux à l'extérieur. Ascoli sera chez eux à l'extérieur. Et Brescia à domicile 12e. Ça sera pour le prochain épisode. D'accord. Je vais vous regarder le classement. On joue quand le prochain match? Le 5 avril et le 12 avril. Parfait. Allez, on va juste faire le classement. Voilà, le classement est un peu mieux. Attends, je vais faire comme ça. C'est mieux comme ça? Parfait. Classement. Ok, sauvegarder ça. Voilà, comme ça, c'est un peu mieux. Ok, parfait. Classement, on est 5e. On est à Gatec par mon classement, on a 2 points de. On a 1 point de, du 3e et à 2 points de la 2e place. Alors on va faire le classement à domicile. Combien à domicile? On est pas mal à domicile, ce sont 11 victoires, 3 nuls, 2 défaites à domicile. On est pas mal à domicile, on est pas mal à domicile, on est pas mal. Et à l'extérieur, on parle pas à l'extérieur, on est sur 6 victoires, 3 nuls et 6 défaites à l'extérieur. Voilà, on va juste sauvegarder. Pas le perdre, tu vois. Attendez, je vais sauvegarder ça. Je vais juste faire le truc. C'est un peu mieux ce skin. Il est pas mal. Hein. Le skin que j'ai changé, il est pas mal. Tu vois, mal. Hein. En plus, c'est un peu long, mais ça va. Alors, je vais sauver la tactique. Je vais juste faire un truc là. J'ai la tactique, elle marche mieux. Bon, Johansen, revient quand Johansen. Il peut jouer Johansen si on reprend l'entraînement demain. Attends, c'est quoi ça? Ah, ça reste comme ça, je crois. Attends, je vois en arrière. Allez. Bon, les amis, je vais vous laisser. On se retrouve vendredi prochain pour cette carrière. On sera combien vendredi prochain, les amis? On sera combien vendredi prochain? On sera le 3 mai. Ok? Allez, bonne nuit à tous. On se retrouve vendredi prochain. Merci à vous. Tous. Je mets la cam comme il faut. Je mets la cam. Tous, merci à vous. Merci.